Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 juillet et nous nous rendons aujourd'hui dans la réserve naturelle des Tobago Cays. Alors nous avons le vent en face, 17 nœuds de vent, mais vraiment on ne peut pas faire mieux. Et les Tobago Cays, c'est droit devant. Donc il y a quand même pas mal de houle, je dirais 1,50 m de houle. Mais bon, ça avance, on avance à 4 nœuds grosso modo. Et on arrive d'ici une petite heure. Et là ça va être du snorkeling. Je vais voir si je peux mettre le narguilé également pour les enfants, avec pour les surveiller, etc. pour qu'ils puissent un peu plonger à 1 m, 1,50 m, 2 mètres maxi. On va bien voir comment ils réagissent. Et moi, si ça s'y prête, faire de la plongée. Bon, on va voir. Mais bon, il y a quand même pas mal de vent. Il y a entre 17 et 20 nœuds de vent. Donc, il est ce qui lève une certaine houle. Et j'espère que ça va le faire, que la barrière de corail va nous protéger de la houle pour qu'on puisse en profiter et passer une nuit paisible. Là il faut se rendre compte que nous avons 6 mètres de fond. Et là on a vraiment allé au fond, on voit les vagues. Il n'y a même pas 1 mètre de fond. On voit l'eau déjà d'un bleu. Et on va se mettre entre les deux petites îles des Tobago. Il n'y a vraiment pas beaucoup de profondeur. Là on est à 5-6. Donc il faut vraiment suivre le cap pour ne pas se mettre sur les hauts fonds. On va zigzaguer, vraiment zigzaguer pour se mettre. On va prendre une bouée ici. Voilà. Là, on va être beaucoup plus calme là. Voilà où il se casse là. Actuellement 5 mètres. Ah, oh, regarde là. Les petits palmiers là-bas. Oh, hein. Oh là là, le snorkeling là. Je vous raconte pas le. Oh, oh là là. On va préparer le barbecue à midi. Donc il est 9h40. Pour le journal de bord. Mais ici au milieu. Ouais, mais on va se mettre là. C'est étonnant qu'il n'y ait personne. 3 mètres. 3 mètres de fond. On fait quoi? On met la gaffe? Bon, 2,70 m. Ouais, il arrive. 2,50 m. Il arrive derrière. On va lui demander de l'aide. 2,40 m. On est accroché. Ouais, mais quoi? Il va falloir qu'on l'améliore, enfin à moins qu'on le laisse comme ça. Tu penses que c'est bon? Parce ouais. Qu'elle est petite la bleue. La bleue elle est petite quand même. Non, ça va. Ça va le faire. Donc tu vois, on s'est accroché en dessous. Donc il n'y a pas d'anneau au-dessus. Par contre après quand on. Tu vois, ouais. Quand on devra la récupérer.
il veut son dû. T'as des Français. Ce soir, un barbecue? Oui, mais... Yeah! C'est bon ça, bonjour! C'est Willy, et vous, comment t'appelles? Vincent. Vincent, chanté. Tu parles un bon français? Oui, un peu, ouais, parce que j'ai travaillé avant avec un bateau français. Ah oui. À la Martinique. Ah! J'ai fait le charter avant. Le charter. Je suis de Saint-Vincent. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Maintenant, j'habite à Unienne. Et puis, je viens ici tous les matins. Et puis, les soirs, après mon barbecue. Et là-bas, c'est ta casse? Oui, bien sûr, oui. Et donc, tu prépares des poissons? Oui, je t'explique qu'est-ce que pour les... Dis-moi. Je propose. Il y a les légumes. Ouais. Les riz végétaires. Les bananes plantains. Ah, c'est bon, ça. Et puis, les pommes de terre avec les carottes, les tomates et puis l'ail. Celui-là, je chauffe dans un peu l'huile d'olive. Yeah. Celui-là, je mets dans les pommes de terre. Et au barbecue. Et puis les poissons, oui. Ah oui. Et puis les poissons, c'est les malins filets. Ok. Parce qu'il y a un bateau, il passe à Unienne, un bateau vient de Trinidad avec ouais. Les poissons. Ouais. Le bateau fait la pêche. Ok. Et puis j'ai acheté les malins. Et puis celui-là. Du merlin. Oui, ça c'est filet celui-là. Ouais. Et puis celui-là, j'ai grillé avec. Et puis ça coûte, par exemple, adulte, c'est 100 ici. Et puis comme le petit, c'est 50 ici. D'accord. Non, moi, ça fait 250. Est-ce qu'il y a le... Oui, ma cuisine, les pipés, les cuisines, elles y vendent les biens de ces mains, ça s'appelle les raïhoun. D'accord. Et puis les plantains, et puis les coca. Sans une certaine excitation. Et Vincent, il est déjà amèreux. Eh, vous avez pas pris le tuba? Pourquoi vous prenez pas le tuba? T'y arrives pas ou quoi, Vincent? Quoi? Il faut prendre un tuba, attends. Attends, tu peux revenir. Quoi? À ton avis? Papa, il est tellement excité qu'il a oublié sûrement ce que tu vas. Ah. Oh. Allez. T'as oublié ton masque? J'ai oublié mon masque tuba et mes pattes, moi je peux pas. Attention, voilà, c'est bien. Et ben voilà, on est revenu. Oui. Je tiens, c'est bon papa, je tiens. Attends, je vais. Et ben dis donc papa, t'étais dans l'air. Attention, les Tobago, ok. Envoie-lui. Attends, j'arrive. Attends, j'y vais doucement. Une par une. Vas-y, je recule maintenant. Oh, c'est presque du col. Il est 10h30. Oh, tu plaisantes ou quoi? Ah, midi et demi, facile, hein. Oh. Hein? Conduire? Allez, mettez-vous à l'avant. Thank you.
Thank you.
qui est remonté. Ouais, hein, pour voir. Ça fait quelques semaines, ouais, quand. Restant sur le bateau, on s'essouffle assez rapidement. On perd un peu de muscle. Et là, pour avoir un super paysage, on grimpe. Donc, on est toujours au Tobago. Et c'est des paysages à couper le souffle. Passer de ce côté, mais je crois qu'on est tout en haut de la colline là. Non, encore, presque. Presque. Ouais. Allez, faites gaffe, il y a des cactus. Qui s'y frottent. C'est pique. Je pense que vous auriez dû prendre celui de gauche. Non, je vais voir, on est en haut, c'est bon. Incroyable. Incredible. Incroyable. Qui est là-dedans, les tortues de terre? Oh, j'ignorais qu'il y avait des tortues ici. Qui penserait qu'au Tobago Cay, il y ait des tortues? Oh, c'est dommage que ça ne soit pas là. Et alors, ma belle? Et alors? Alors là, tu fais plaisir à Kiki. Alors là... Comment vas-tu? Elle est pas farouche. Non, elle est pas farouche. Voilà, on est au sommet de la montagne. Et regarde. Un iguane. Ah ben il y en a plein ici. Et bien les amis, ouvrez grand vos yeux parce que ici on en prend plein les yeux. Observez.
fait, papa? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on fait... On est soirée... Popcorn. Popcorn, cinéma, c'est ça? Ouais, popcorn, cinéma, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de l'huile de colza. Juste un fond, c'est ça? Ouais, un fond, ouais. Les fameuses graines. De là, on les invite tous un peu de... Voyons, voyons, voyons. Ouh, ça pète! Fais-moi goûter. Ah, tiens, pourquoi t'es en train de goûter? Oui, il y en a une qui va sortir. Non, pas. Mais c'est une vraie qui est sortie. Voilà. Ah. Ah. Un petit peu chaud quand même. Bien sûr que c'est chaud. Ça grille. C'est froid. Bah oui, je crois que c'était froid. Hein. C'est pas du froid à monter à 3 de ré. Hein. On va se refroidir. Ouais, résultat. Allez, on partage équitablement. Équitablement, bien sûr. Ah, ils sont pas bien calés ici, là, sur Cipurl. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là? Quoi? King Kong. King Kong, avec... Popcorn. Popcorn. Elle est pas belle la vie.